Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Wemax. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau courrier des Saiyans, très attendu puisque le colis qui est là est déjà ouvert en fait. Ouais, il est déjà ouvert, mais il a une histoire ce colis. Il a une histoire. C'est Eric qu'on doit remercier aujourd'hui. Eric, merci infiniment. Qu'est-ce qui s'est passé avec Eric? En fait, il m'avait contacté sur Facebook Messenger. Ouais. Et je sais plus pourquoi, parce qu'on parle souvent avec Eric, etc. Notamment parce qu'il y a des projets en cours, hein, ouais. Qu'on vous sortira à un moment donné sur une des chaînes, vous verrez. On va pas tout vous révéler. Il faut surveiller. Et Eric, en plus d'être un fan de Dragon Ball, c'est un collectionneur, notamment de cartes, etc. Et il avait acheté dans les années 90 pas mal de figurines AB. Ouais. Et il savait qu'on avait des figurines AB. Ouais. Alors il nous a demandé un peu qu'est-ce qu'on avait. Il a dit tenez, j'ai tout ça, donc je vous envoie tout. Et je lui ai dit bah écoute, ça fera un beau courrier des Saiyans. Et le colis est arrivé il y a 1000 ans déjà. C'était la période où on n'avait plus de boîte postale, etc. Mais il y a plus de trucs que ce qu'on pensait. Et il y a beaucoup plus de trucs que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il nous envoie 4 boîtes de figurines AB super guerriers, etc. Pas du tout. Il nous a tout mis. Il y a tout, c'est un fou. Il nous a tout mis. Ouais, c'est un donc malade. Donc je vous montre quand même rapidement la taille du carton pour qu'on ne vous manque pas. Le baby, il est ouvert, donc vous avez compris que je vais pas faire le fifou à le retourner. Et du coup, bah, on va vous présenter encore les coffrets. Alors, on doit juste vous prévenir d'un truc, c'est que il a subi un dégât des eaux. Hein. Ouais. Donc, il se sépare de ses coffrets parce qu'ils sont pour beaucoup passablement abîmés. Mais il voulait les donner à des collectionneurs et bah, à nous, en fait, hein, tout simplement. Vu qu'il sait qu'on est à fond de ouf sur Dragon Ball de 1, mais sur les produits vintage aussi. Donc, il nous les a envoyés. C'est parti, du coup, pour la découverte. Allez. Parce que, certes, c'est ouvert, mais on n'a pas du tout regardé les coffrets un par un. Donc on ne sait pas du tout il y a quoi. Allez, c'est parti. Allez, bah écoute. Alors. À chacun. Oula, c'est poussiéreux. Hein. On voit que c'était bien resté pas mal de temps là-dedans. Ah ouais, effectivement. Hein. Vous voyez le dégât. Ouais, sont... ouais, regarde. Alors, ouais, ils sont. Moi je sais ce que c'est que d'avoir eu un dégât des eaux moi dans ma cave à l'époque. Je peux te dire que. Je comprends. Et n'empêche, franchement, un immense merci Eric, parce que t'as eu un dégât des eaux, etc. Ils sont peut-être un tout petit peu, enfin ils sont abîmés, certes, mais au-delà de ça... T'as la nostalgie qui s'en dégage. Au-delà d'un côté de la boîte niquée, le reste est en parfait état. Il les a gardés neufs. Il les a pas sortis de la boîte, elles sont neuves dans leur dans le package. J'adore. Hein. On essaiera de dire un peu s'il y a un coffret qui nous marque particulièrement par rapport à un autre. Si jamais on arrive à se souvenir, il y a des figurines, je m'en souviens, c'est Trunks. Il y avait tellement rien de Trunks que je bavais sur ce Trunks quand j'étais petit. Ah, ça j'adore ça. Ça j'adore. Pourquoi? Parce que c'est des figurines de personnages qu'on a moins. Que ce soit de petite taille ou de moyenne taille en figurines récemment. On en a très peu, hein, même des Majin Buu finalement, il y en a quasiment pas en figurines. Regardez-moi ça. Et numéro 19, bah, il y en a pas du tout, hein, donc autant dire. Ça, c'est un coffret qui me marque pas mal. Ouais, tu m'étonnes. J'en avais pas mal de cette série-là. Ah, moi aussi. Mais moi, tu vois, j'ai quasiment pas eu de coffret comme ça quand j'étais petit. J'en ai eu un. Et les autres, c'était les figurines à l'unité, c'est ça, dans les pots. Hein. Dans les pots. Ouais, pareil. Le coffret avec Hilu des gardes. Ah putain, il est bien. Il a mangé celui-là quand même. C'est dommage. Le coffret avec Hilu des gardes, ça c'est. Oh, et le Trunks Fusion. Maman, tu l'avais aussi. Ah ouais, je l'ai voulu. Et là, c'est le coffret 100% Goku. C'est celui-là que j'ai eu. Toi, t'as eu celui-là. J'avais acheté celui-là. J'ai plus le coffret. Hein. J'ai les figurines encore, les petites figurines. Mais j'avais acheté. Enfin, j'avais acheté. Ma mère m'avait acheté ça. Quand quel malheur. Quel malheur, le dégât des eaux, alors qu'il avait tous les coffrets en état. Il a tous les coffrets. C'est ouf, depuis tout à l'heure, on a tout. On verra si il avait tous les coffrets, s'il nous a envoyé tous les coffrets, parce que du coup c'est à nous maintenant. On verra du coup si. Eh, ce Yamcha, je l'ai saigné pour faire des punchs et tout en jouant. Ah ouais? Ah ouais. Il était fort mon Yamcha par rapport à la moquerie des gens. J'adore ce coffret avec Dieu et le grand Kaio. Il n'y a jamais ça en figurine non plus. Ouais. Incroyable. Ça tue. Alors j'ai une figurine de Dieu, j'ai une petite anecdote. Est-ce que tu peux. Non, c'est moi plutôt. Je vais me dégager. Là. Vous voyez une petite figurine de Dieu que j'ai achetée finalement il n'y a pas très longtemps. Elle est rare. En fait. Et c'est une Gyoki Preciosi. En fait, c'est l'équivalent d'AB, mais en Italie. Merci. Et j'avais que Karine avant en figurine comme ça. Et il faut savoir que Dieu, avec la boîte, était introuvable. Ça n'existe pas. Je l'ai jamais vu, en tout cas. Et du coup, bah, j'ai acheté celle-là en loose, sachant que je n'achète pas de figurines en loose. Hein. Même des figurines AB, je les achète pas en loose. Mais celle-là, bah, elle est trouvable que comme ça. Pour la symbolique. Pour la symbolique, du coup. Et puis, bah, voilà, c'est un personnage qu'on n'a jamais en figurine. Donc, c'est cool. Frère. On va vraiment suivre. Oh putain, il est magnifique. Ah, celui-là, regardez. Metal Kula Mokeko. Mokeko, il y a qui connaît Mokeko? Gotan. C'est génial, et Gotan. Ouais. Gotan, du coup, qui est sorti en archive récemment. Hein. Figurine archive, bah, d'ailleurs, elle est là. Derrière toi, elle est juste là. Là, voilà. Ah ouais, bah dans ce coffret j'en avais hein. Le Goku, le numéro 16. Ouais, moi aussi. Mais d'ailleurs tu disais Gotan, mais Gotan n'importe le vent ou pas? Ouais.
Bah moi j'avais dit Gotham, donc je peux pas faire jeu de mots, mais Gotham, ah merde, ouais, c'est sûr que... Ah bah alors celui-là, je pense que... Oh, il dégomme. Celui-là me parle particulièrement. C'est vraiment, je pense, de tout ça, une concentration de l'époque où j'avais acheté dans les pots, parce que j'avais pris le Spopovich, j'avais pris le Mighty Mask, j'avais pris le Shin, j'avais pris le Kibito et le Goran. Je les avais dévalisés quand j'étais... Tue sa mère. En fait, à l'époque, ça me paraissait rare d'avoir déjà du Majin Buu. C'est con, hein, mais je voyais toujours du sel, des trucs comme ça, et dès que ça touchait un peu un Shin, Kibito et tout, je me dis, putain, y a jamais. Et je me rappelle que j'avais fait chier ma mère à Kiabi. Ça doit être le deuxième Goran Great Saiyaman qu'on a là. Ouais, c'est vrai. Alors celui-là... Celui-là, quand je le voyais sur le net, et j'étais tout le temps en mode, putain, ils ont fait ça, ces propositions-là. Toi aussi, tu le voyais que sur le net. Ouais, que sur le net. Celui-là. Ractelès et tout. Mister Popo. Le Goran époque du lycée. Il y a rien, figure de ça, ça existe pas non plus. Allez, et là, il y a qui, là? Mais c'était quand même une belle époque, hein. Tu sais que ce coffret-là, c'est l'un des plus que j'ai vu, ouais, et que j'ai le moins vu. Moi non plus, je le vois jamais. Et on l'a là. Voilà, donc merci Eric. Garry Babidi, numéro 13 et tout. De ouf. Super original. Merci infiniment Eric. Il reste que quelques coffrets. Il en reste encore 4. Mais là, mais non, mais il y avait vraiment tout. Docteur Gero, Vegeta, Oob. Ah bah là, on a le deuxième coffret. Il y avait l'autre. Et ça, c'est le deuxième qui me parle parce que je les avais tous. Les 6 là, je les avais tous en individuel. Le Bojack, le Tenshinhan, parce que je crois que mes combats les plus réguliers que je faisais avec les figurines, c'était le Yamcha qui mettait des points contre le Tenshinhan. Je prenais le Goku qui faisait des... Là-haut, j'avais là. Eu... Je te jure, c'est je pense qu'on a dû avoir les mêmes coffrets parce que au-delà du coffret Goku avec tous les Goku que j'ai eu, c'était le seul de cette série-là que j'ai, mais il existe un autre type de coffret avec une arène où tu fais bouger les personnages devant, derrière. C'est ça que j'avais eu. Et je pense qu'il y avait le Tenshinhan et peut-être le Yamcha. Ah, C'est possible, parce et que ceux-là, c'est ceux qui me parlent. Ouais. Les autres, j'en ai eu ici et là, mais... Et voilà les deux derniers. Oh, gros sac. Et en parlant de gros sac... Désolé, alors, j'en aime pas. Celui-là, il est défoncé. Il s'émiette même, le coffret, mais putain. Il y a même les voleurs. Oh là là. Il y a les braqueurs de banque. Il y a mon pote. Et Yahoy. Pas Yahoy, Yahoy, hein, mais Yahoy. Oh bah... Voilà. Oh là là là. Le Goten que je voulais, le fusion là, qui allait avec le Trunks. C'était ouf. Eh ben. Bah Eric, merci infiniment. Je sais même pas si y a tout, mais pour cette redécouverte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 coffrets. Il y en a 25 au total, il me semble, ou 26. Putain, on est quasi sur de l'intégrale. On est quasi. Qu'est-ce que ça me fait mal au ventre de voir que l'eau peut détruire comme ça des bijoux. C'est... Mais en tout cas, nous, ça nous fait chaud au cœur. Ah ouais, ouais, mais merci d'avoir Eric. D'avoir cette réception, merci beaucoup Eric. Du fond du cœur, merci Eric. Ouais, puis parce que même au-delà de ça, il aurait pu retaper 2-3 trucs, recoller, il y a des endroits, bon, tu le ranges comme ça, on ne voit pas la tranche abîmée. Toi, tu le sais, mais les gens ne sont pas censés le savoir, donc il aurait pu le garder et il a voulu nous faire plaisir, c'est d'autant plus touchant, je trouve. Bah, il n'est pas obligé. C'est... Merci, Morico. Et voilà. Puis, je te l'ai dit, de toute manière, hein, c'est le geste qui compte et franchement, je t'avais promis la vidéo, donc voilà, c'est la moindre des choses. Merci en tout cas, Eric. Ouais. Un ouf. A très vite. Merci en tout cas sur la chaîne Léo et Max. Sachez qu'on n'a toujours pas de boîte postale. Donc c'est exceptionnel hein, ce qu'on fait. C'est petite réception passée, voilà. Mais qu'on fait dans le futur. A très vite et n'oubliez pas vous abonner. De vous abonner si vous aimez la chaîne. Évidemment. Bah oui. Ouais. Allez, des bisous. Ciao. Et il y a une lettre pour terminer ce magnifique colis. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il y a ça dedans. Alors déjà, sur la lettre, ouais, je suis une quiche en dessin avec un M. Le M des Madoshi, hein, plutôt du Madoshi Babidi, évidemment. Et du coup, il nous dit « Hello les gars, voici comme promis les minifigs à Betelgeuse que j'ai pu retrouver chez mes parents. Désolé pour l'état des boîtes, elles ont été littéralement sauvées des eaux, mais elles ont été bien abîmées. Je les ai nettoyées comme j'ai pu, je vous laisse vous les partager comme vous l'entendez. Je vous ai mis aussi une poignée de cardasses, peut-être qu'elles ne vous intéresseront pas, auquel cas c'est pas grave, vous pourrez toujours les faire gagner à la commu. DB Times, les cardasses 176, 180 et 234 ne sont pas rares, vous les avez sans doute déjà dans leur version japonaise, mais là ce sont des versions HK, Animation International, tout à fait officielles. Elles diffèrent pas mal des versions japonaises et si vous les avez, vous pourrez le constater rien qu'en les observant et en les touchant. Je me suis dit qu'en tant que collectionneur, ça pourrait vous intéresser. Ouf. Purée, je suis obligé d'écrire au verso, je pensais pas me fatiguer autant XD. Bref, bon déménagement à Léo. Donc comme quoi, quand on vous dit que... Ouais. Moi, je suis encore en emménagement quelque part parce que mes travaux sont pas finis. Ouais, mais bonne attente de paternité à Max, sachant que la petite, elle va bientôt fêter ses 1 an. Ouais. Ça vous prouve le bien, merci Covid. Et à bientôt pour le projet qui nous occupe, le fameux. Voilà, changez rien, votre travail est incroyable. Eric. Ah, merci Morico, ça fait plaisir. Quel fou. Bah écoute, on les garde, évidemment. Évidemment, il me disait est-ce que vous les avez pas? On les a pas. Donc ça se garde.
Les Freezer de l'espace, le guerrier et le tyran intergalactique. Le guerrier intergalactique. Elles sont toutes bien protégées, merci Eric. On va les remettre sous top loader, évidemment. Protégez vos cartes. Et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous. Matin. Ciao.